Bonjour à tous les amis, c'est Steven de PM, j'espère que vous allez bien, ça va bien. On est dans une vidéo sans montage, parce que c'est ma deuxième vidéo, et bah, voilà, l'autre c'était l'épisode 2 de Osana Boat, alors je vais créer une deuxième vidéo. Je vais pas créer les montages parce que j'ai la flemme et ça va être super long. Et aujourd'hui, non, c'est pas un jeu que j'étais... Oui, c'est un jeu que j'ai téléchargé, mais c'est pas une personne qui l'a écrit ça. C'est du coup... Moi, c'est... Voilà, c'est moi, j'ai créé... oui, j'ai créé un deuxième jeu qui s'appelle Creepy Face Maze in the Chaos Glitch. Voilà. Alors, du coup, je sais pas ce que vous rappelez, j'avais fait Steven de Pumps Maze, voilà. Et puis, regarde ça, l'icône, ça, c'est l'icône de Baldi Glitché. Et puis, voilà. Celui-là, il est moins amusant que le 1, mais quand même, tu peux le tester quand même. Tu peux jouer en premier si tu veux... commencer facilement, et le deux, purée, il y avait une mouche qui était sur mon nez là, voilà, alors, bon bref, et avant que tu joues, c'est mon deuxième jeu, ce jeu il est moins amusant que Steven Pam Smith 1, mais tu peux jouer en premier si tu veux commencer facilement, allez on continue, hop là, voilà, voilà regardez ça, là on est dans le menu, juge pas devant, hein. C'est pas moi que j'ai réglé, voilà. You still John, and John decide to go in creep face glitchy maze. Collect on 10 keys and find a way to win the game, to have a good ending. Voilà, ça veut dire, vous êtes toujours John. John, il a décidé d'aller dans le labyrinthe de creepy face. Collecter tous les 10 clés et échapper le jeu pour avoir une bonne fin, voilà. Alors, ce jeu, il est différent, la map, elle est beaucoup plus grande, tu peux dire très grande. Je vais cliquer, mais j'ai peur pour les oreilles. Oh mon dieu! C'est vrai, ça fait casser les oreilles. Isaac, le préféré de Corazon. Allez. Hop là. Oh, passe là. Alors, j'ai trouvé un nouveau script dans ce jeu. C'est les personnages qui peuvent me suivre du regard. Voilà. Par contre, mon jeu un peu lag un petit peu. Voilà. Oh, non. Ok. Oh, cool. Ok, ne pas entrer dans la... Je n'avais pas les 10 clés. Allez. Ok, la musique, elle est partie. Bonjour. Ok, il y a un bouton que ça écrit Go back to the menu, c'est, tu peux cliquer ici. En fait, il n'y a pas de pause menu parce que en fait, j'ai essayé, mais ça marche pas, je sais pas pourquoi. Là, balle d'hiver, voilà. J'en ai collecté combien? Je pense que j'avais collecté 3. Ok, 4. Ok. Là, il y a du coup, Filename 19 est un personnage joke parce que 19 s'est inspiré de Covid-19. Voilà. Hop là. Hop. Est-ce que je l'ai pris celui-là? Attends, est-ce que je l'avais pris? Ah non, je l'avais pas pris. Alors, j'avais raison. 4. 5. Voilà, désolé, je me suis réfléchi. On a 5 livres. Hop là. Voilà. Baldi jaune. Comment ça va, Baldi jaune? Ouais, ça va bien. Creepy face glitché. Voilà. Baldi violet. Baldi rouge bizarre. Et oui, et tout simplement, je vais vous donner le lien du téléchargement si vous voulez jouer ce jeu. Hop là. Test virus, test cyborg, test principal. Non, principal glitché. 3 first prize vert, first prize jaune et first prize rouge. Voilà. Voilà, tous les personnages peuvent de regard, sauf qu'il y a un personnage caché que je vais vous montrer. Bah, tu sais quoi, je vais vous montrer tout de suite. Je pense que j'en avais 7. Oui, j'en avais 7, voilà. Et j'en ai 7. J'en avais 7. Hop, voilà. Alors, ce personnage, normalement, il doit suivre le poster de Isaac, mais je sais pas pourquoi il reste toujours dans la porte, voilà. Allez. Il y a un passage secret, dans, si vous savez pas, si vous avez... Bon, là, je viens de publier tout de suite et jouer là, jouer ce jeu si vous voulez s'amuser. Bon, même si c'est un peu... C'est moins amusant. Regarde ça, c'est... Homme inconnu. Je sais pas ce que vous rappelez ce mec. Il est maintenant connu, voilà. Bon, minimum inconnu parce qu'il est caché. Alors voilà. Oh, oh mon dieu.
Ok, bon, là, on doit revenir. Voilà. Ah oui, et si vous préférez, qu'est-ce que vous préférez comme jeu? Le Steamed Open Space ou le Creepyface? Le deuxième. Bah, moi, je pense que je préfère les deux. Parce que le Steamed Open Space 1, il est cool. Mais Creepyface, c'est pas imagination. Mais je l'aime bien quand même parce que je l'ai fait beaucoup grand. Voilà. Il y a des Final Name 2, ça c'est dans Secret Hallways. Voilà. Ici, il y a un passage secret, mais rentrez pas là, parce que sinon, ça va vous... Voilà, c'est la triche. Voilà. Parce que c'est pas qu'il est pas fini, c'est juste un troll. Un autre Final Name, Monstre Baldi Rouge, Baldi Rouge et Baldi Vert. Un Final Name de Glitché. Voilà. Je pense que j'en ai 9, voilà, j'en ai 9. Hop là. Et après, il y a une sortie là. On est de retour là. Et oui, il passe à travers l'ennemi, mais ça, c'est parce que voilà, je voulais faire comme ça. Voilà. Il n'y a pas de nav-mèche. Oui, il y a un nav-mèche, mais il passe à travers les murs. Alors, j'en ai 10. Bonjour, Baldi Jaune. En fait, tous les personnages ne font rien, c'est décoratif. C'est seulement le vert qui peut bouger. Ok, là, ici, si vous n'avez pas les 10 clés, bah, rentrez par là. Papa, si vous n'avez pas les 10 clés, bah rentrez pas ici. Si vous avez les 10 clés, bah tu peux rentrer là. Allez. Et voilà, là, ça vous téléporte dans une pièce bizarre. Vous avez échappé, mais quelque chose, il t'a téléporté dans un endroit assez bizarre. Trouvez une clé pour échapper pour ouvrir la porte bleue et rencontrer Frosty Face pour avoir une bonne fin. Et oui, il n'y a pas de monstre, mais on a une flashlight. Un Baldi glitché comme l'icône là, regarde, vous voyez l'icône là, c'est Baldi glitché. Désolé si vous entendez les trucs dehors, mais bon, ça c'est pas grave. Hop là. Oh non, c'est glitché, Creepyface. Baldi orange, le mur complètement glitché. Mais ça c'est pas. Mais c'est moi que j'ai fait, hein. C'est pas Unity. Regarde ça, un monstre bleu bizarre. Baldi bleu. Alors j'ai fait un truc beaucoup intelligent, beaucoup plus fonctionnel que le 1. C'est, regarde, c'est une porte bleue que tu peux rentrer normalement. Là tu peux pas. Ben, c'est normal parce qu'il faut une clé. Alors vous avez vu qu'il y avait une porte et dans cette porte il y a une clé. Oui, j'ai fait un truc visible, sinon ça aurait été impossible. Voilà, regarde, là il y a une clé et si tu la prends, ben, la porte bleue qu'on avait vue avant, elle va s'ouvrir. Ouais. C'est vrai que c'est super cool qu'est-ce que j'ai fait, c'est bien pensé. Voilà, regarde, normalement elle était fermée, maintenant on l'a ouvert parce que j'avais pris la clé. Après là, on a Baldi violet, non, Baldi marron, Arts and Crafters glitché et Frosty Face. Si tu le touches, ben, il va te dire quelque chose. Allez, on va mettre le son fort. Oh, jeepers, you found me. Good job, I'm so glad you found me. Do you remember me? I am Frosty Face, the Africa guy. So, do you remember Creepy Face 2? He is in Creepy Face 1. He's not in this game, kinda. Corporate engines in this game? Anyways. You need to escape is find the plush toy for a good ending. Also, thanks for playing this game. I hope you have 10 glitchy stuffs. See you next time. Ok, merci. Alors, il a dit merci beaucoup. Il y a Creepy Glitché qui est là, mais je sais pas ce qu'il est dans le jeu. Il sait pas parce qu'il est dedans. Et il dit c'est les trucs merci d'avoir joué et tout, nanani, mais ça, on s'en fiche. Voilà, ici, il y a un bouton qui clique ici. C'est Frosty Face. Il a fini par. Bon, là, il a fini. Là, on clique. Et voilà, on a eu la bonne fin. Alors, vous allez sûrement dire est-ce qu'il y a une mauvaise fin? Bah, non. Parce que, voilà. Parce que j'avais la flemme de faire une mauvaise fin. Et voilà, regardez ça, voilà, on est de retour, voilà. Et ben voilà les amis, c'était Creepy Face Maze in the Chaos Glitch. Voilà, je sais pas ce que qu'est-ce que vous pensez de mon deuxième jeu sur Unity. Voilà. La prochaine fois, je vais faire les autres jeux, genre des jeux en 2D original que vous pouvez jouer. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Steven Deben. Si vous voulez voir plus de vidéos, ou plus de Baldi, ou plus de Creepyface, ou de Unity, ou d'autres trucs, dites-le dans les commentaires. Et je vous dis à la bête.
À très bientôt, pardon, je me suis bégayé un petit peu parce que je suis très content de finir le jeu. Et vous pouvez quitter par ici, il n'y a pas de bouton X, hein. Vous pouvez quitter par là. Je vous dis à très bientôt les amis, au revoir!